Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Detroit Become Human Demo parce que je n'ai pas acheté le jeu, tout simplement parce que j'ai pas assez d'argent. Donc je vais faire la démo et vous me direz dans les commentaires si ça vaut la peine vraiment d'acheter le jeu ou pas. D'ailleurs, je crois qu'il y a juste une partie de jeu, genre le tout premier, genre un peu comme le tuto, quelque chose comme ça. En tout cas, on va juste changer les réglages parce que voilà quoi. Décontraction verticale, non. Ultra, hein. Appliqué. Je joue jamais manette, c'est pour ça que des fois je regarde ma manette comme ça. Allez, commence la démo. 15 août 2038, 20h29, et des secondes qui défilent. Mais que es-tu, mon ami? Wouah! Il y a une vibration dans ma manette qui est apparue comme par magie. Ça m'a fait un peu peur. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur. Alors. Les boutons. On peut faire pause. Et j'imagine que c'est le seul bouton qu'on peut appuyer. Y a-t-il d'autres boutons? Ah. Puis merde, on découvrira. Oh! Ok, donc joystick vers le haut. Alors, John Phillips, né le 11-10-1999. Domicile. Bon, on va pas tout lire non plus. Salut, madame. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame. Vous, vous avez quoi contre les androïdes? Totalement raciste. Vous devez envoyer un véritable être humain. C'est très, très, très vexant. Quoi ça? Ah, wow! Trouvez le commandant Allen. Ouais, mais je vais visiter un peu avant. On peut pas aller là. Mais je suis, il y a plein de trucs à vérifier. Il va sauter, l'enfoiré. Bah, qui saute? J'ai le même modèle à la maison. J'ai le même modèle à la maison. Alors. Il faut parler au commandant Allen, mais... C'est qui, hein? Commandant Allen, je m'appelle Connor. Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Il s'appelle Connor, retenez bien son nom. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. D'accord, d'accord. S'il tombe, elle tombe aussi. Très bien. Avez-vous essayé son code de désactivation? Oui, on a déjà essayé. Ah. Connaissez-vous son nom? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde. Oui, je vais m'occuper de l'androïde. Oui. Non, pas vous. 48% de probabilité de réussite. Ah, d'accord. Alors. D'accord. Ah, triangle. Carré. Il y a un truc ici. Il y a peut-être un autre truc. Non, il n'y a rien. D'accord. Ok. Alors, combien de pourcent de réussite? 51% de réussite. Tu trouves autre chose? 51% de réussite. Localiser le tâche. Il y a peut-être des... Il y a forcément, en fait, quelque chose.
Fouiller la chambre. Ah, fouiller la chambre. Attends, et où la chambre? Elle est là-bas, je pense. Ah, par contre, la caméra. Bug un peu. Ah. Lecture. Aïe. Oh. Ok, donc son nom c'est Daniel. Daniel. Waouh. Ok. Attends. 100% de réussite. Est-ce qu'on y va? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il faut y aller tout de suite. Il faut trouver autre chose. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut trouver? Ah, quelque chose ici. Alors, toi, qu'est-ce que tu as? Young. Décédé. Non, je pensais qu'il était vivant. Ah, ben c'est John Philip. Ah, d'accord. Hémorragie de la partie supérieure du poumon. Pneumothorax. Pneumothorax. D'accord, ça se dit ça, ce mot. D'accord. Rein gauche perforé. Traumatisme abdominal mortel. Oh, y a-tu quelque chose, toi? Ah, ici. Hémorragie de la partie inférieure du poumon, hémorragie interne. Hmm. Autre chose que ça. Y'a rien. Je peux reconstituer. Alors. Oh, on peut tourner. Ouais. Ok. Alors il s'est fait tirer dessus. Attends, est-ce qu'on peut... Son arme, on peut le bloquer? Non, je pense. Il s'est fait tirer 3 fois. D'accord. Alors je ne sais pas ce que ça m'a débloqué, mais ça m'a débloqué quelque chose. Avons-nous autre... Attends, est-ce qu'on a tout débloqué? Il nous manque. Ah, attends, il y a des trucs là. Il y a un truc à terre. Nine, une chaussure. Attends, j'ai peut-être blessé. Merde. 62% de chance de réussite. Il y a autre chose. Ah oui, il y a du sang bleu. Je sais pas ce qu'ils ont les humains de nos jours, mais du sang bleu, c'est pas normal. Modèle Android blessé. Ah, ok, du sang bleu. Oh, c'est le seul des autres, oui. De modèle de Deviant PL600. 75% de réussite. On a fait ça? Non, on n'a pas fait. 3. Ici. Stifnat de plomb, trisulfure d'antimoine, un seul coup. Autre chose. Oui, il y a forcément autre chose. Ils me disent que deux autres trucs. Ah, voilà. Donc, ça, c'est son nom. Ah, ici. Perforation de la verticule droite, hémorragie interne. Donc on peut reconstituer maintenant. Et... Stop! Il y a quelque chose ici. Ici, plutôt. Ah, triangle. Ok, donc on a trouvé ça. Maintenant, il nous faut autre chose. Ah! Le sang. Maintenant, je pense qu'on peut sortir. Hop! Bon, ça on a bon là. Ah, hélicoptère à l'approche. Maintenant. On a eux à observer. Attendez, on doit observer. Bordel de merde, couvrez-moi le temps que je l'évacue. Finalement, on va pas. Voilà, on va pas faire plus.
Alors, il y a Okibu. On va examiner ça. Peut-être que ça va nous donner des indices. Ça ne nous donnera pas d'indices. Donc, il reste le frigo. Voilà. Non, non. Ah, c'est compliqué en vrai. Bon. Allez-vous-en ! Dégagez, je vous dis ! Partez ou je saute ! Ok, donc la famille allait se mettre à table. 32% de réussite. Ah, on est dans la merde. On est dans la merde. Mais il y a un pistolet ici. Comment on fait pour trouver le pistolet? Il y a forcément un truc à examiner pour avoir le pistolet. Il y a un pistolet à terre, c'est... Il sert forcément... Attends... Lui, il avait un flingue. C'est le flingue du policier. Merde, je me suis trompé le bouton. Automatique. Alors, le carré. Voilà, il est là son flingue. Arme localisée. On va pouvoir avoir son arme maintenant. Donc 64% de chance, on est revenu. On la prend, on sait jamais. Allez. Laissez-moi y aller, je suis le professionnel. El professionnel. Tranquille. Fais pas un pas de plus ou je saute. Non, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Ok. Allez, c'est parti. Live pour qu'on soit bon. Le nom, voilà. Bonsoir, Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Ouais, peut-être. Gagner la confiance du déviant. Rassurez Daniel. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je veux pas discuter. C'est trop tard de toute façon. C'est trop tard. Est-ce que t'es armé? Mentir. Non. Je n'ai pas d'arme. Je n'ai pas d'arme. Tu mens. Je sais que tu as une arme. Ah ouais? Comment je tu sais? Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans arme. Emma est à toi. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Ah ouais, pourquoi? Finalement, elle est comme les autres, c'est ma. Daniel, non. Ouais, bon. Compétition, voilà. Écoute. Faut gagner sa confiance. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, ouais. C'est pas ma faute. Oui, c'est ta faute. J'ai jamais voulu ça. C'est ta faute. Je les aimais. Ouais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Voilà, le tout va bien, Emma. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux pas mourir. Personne ne va mourir. Reste calme. Tout va bien se passer. Ouais. Tout va bien se passer. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, non. Maintenant. Ouais, ok, ouais. Faut lui faire... faut gagner de la confiance, hein. Faut y aller. Voilà. Comme tu l'as demandé. Ok, 85% de chance de réussite. Inspirez confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Oui. Promis. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. D'accord.
Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Il y avait peut-être un truc je à faire. Je veux pas mourir. Il y avait peut-être un truc à trouver. Rassurez. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je t'ai fait confiance. Allez, let's go, on a réussi à le sauver. Cette connasse là. Oh, oh, oh. Aïe. Ça fait mal. Ouf. Je pense qu'il a pas trop aimé. Tu m'as menti, Connor. Mais non. Non, t'inquiète, j'ai rien fait. Mission accomplie. Voici l'arbor sens de la scène. Ici, vous pouvez consulter le chemin que vous avez pris, ce qui reste à explorer et les posséder que... Ok, bon. Oh. Il y a beaucoup de choses à faire. Afficher la légende, parcourir. Continuer. Quantic Dream. We are all the result of the choices we've made. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Yo ho hoi.